l'éducation, le développement économique et enfin le développement durable. Et donc l'IFDD est un peu le bras technique de l'Organisation internationale de la francophonie en ce qui concerne le développement durable. Alors, il travaille dans beaucoup de dimensions, mais en ce qui concerne le secteur spécifique des mines, l'IFDD travaille dans le cadre d'une stratégie de la francophonie, ce qu'on appelle la stratégie économique de la francophonie qui a été adoptée ici à Dakar pendant le sommet de 2014 et qui inscrit effectivement le secteur minier comme un secteur qui a un potentiel pour contribuer au développement et à la croissance des pays francophones, mais à la condition que ce développement se fasse dans le respect des principes de développement durable, notamment le respect des droits humains et la préservation de l'environnement. Donc l'IFDD travaille à accompagner les États francophones en développant le secteur minier, mais toujours dans le cadre de ces principes que je viens d'énoncer. Je crois que toute crise est potentiellement, créatrice de peur, de doute et de repli. Mais fondamentalement, je ne crois pas qu'il soit peut-être judicieux d'opposer durabilité et rentabilité. Je crois que dans l'esprit, la durabilité doit être inscrite dans la stratégie de rentabilité des entreprises. Parce qu'une entreprise ne peut pas être rentable si elle ne s'inscrit pas dans la durabilité. En réalité, la durabilité doit être inscrite dans la stratégie à long terme des entreprises, quelles que soient par ailleurs les conditions conjoncturelles qui peuvent être fluctuelles. Mais de façon structurelle, je crois que la durabilité n'est pas opposable à la rentabilité. Donc effectivement, l'IFDD organise la deuxième édition de ce qu'on appelle la concertation francophone régionale sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le domaine minier, qui est un peu un espace de dialogue que l'IFDD crée pour offrir l'opportunité aux représentants des États, aux organisations de la société civile, aux représentants des entreprises minières, pour se réunir et réfléchir ensemble sur les enjeux de la responsabilité sociétale dans les entreprises minières et comment, construire un partenariat stratégique pour que l'action des entreprises minières soit inscrite dans la durabilité et dans le respect aussi des préoccupations des populations pour que, à long terme, que tout le monde puisse profiter, que toutes les parties prenantes puissent profiter de l'activité minière. Voilà un peu ça l'esprit. Et maintenant, les attendus, c'est qu'on puisse, au sortir de ce dialogue, identifier un certain nombre de projets ou bien d'initiatives que l'IFDD pourrait peut-être appuyer par la suite pour accompagner les États, mais également un certain nombre de recommandations adressées aux États membres qui vont se réunir dans quelques jours à Antananarivo lors du sommet de la francophonie.